Comme vous le savez, je fais des shows de vente de mes cartes de ma collection, hein, en définitive, sur l'application GCC. Donc, on va reprendre juste les bases pour ceux qui ne connaissent pas. C'est quand même assez important que je vous montre un petit peu ce que c'est. GCC, c'est ça. GCC Marketplace. En gros, c'est une application. Alors, à la base, vous le savez, GCC, c'est là où j'envoie mes cartes à grader. Donc, j'envoie chez GCC qui, eux, après, envoient à PSA pour faire la gradation dans des boîtiers PSA. Donc, la marque que vous connaissez tous dans les gradations, bien évidemment. Et ils ont sorti leur application qui ressemble à ça. Une application en fait où vous avez des shows tout simplement. Donc par exemple là, il y a un show avec uniquement des cartes qui sont notées à 10 qui va commencer dans 10 jours. Donc vous voyez, et là on peut déjà voir toutes les cartes qui vont commencer en enchère dans 10 jours et c'est que des cartes qui ont la note de 10. Voilà, par exemple dans ce show là. Donc c'est des shows qui sont faits voilà, il y a plusieurs thèmes qui peuvent popper. Ici tu as Euro 2024, donc dans la logique, tu as compris que on est sur des cartes de foot. Donc voilà, tu vois. Voilà. Et ça c'est les gens comme vous et moi qui peuvent mettre des cartes dans ces shows là qui sont des shows à des thèmes précis. Et sinon, il y a aussi des shows de personnes, soit de magasins, soit etc., qui peuvent mettre leur item, etc. Et si vous scrollez un petit peu, vous allez voir que nous apparaissons ici, PokéQuack, 61 cartes qui sont balancées en enchère. Et donc du coup, on va aller un petit peu regarder ce qui est mis sur toutes ces petites cartes. Donc je revends pas mal de mes cartes de ma collection, parce que bah, pour moi, ça fait partie un petit peu du truc, hein. Tu rachètes, tu revends, etc., etc. C'est pour financer mes projets, comme par exemple Enigma, vous savez que c'est un gros projet, les stocks, etc. du magasin. Donc voilà pourquoi je revends certaines cartes. Bien évidemment, j'ai pas tout mis en vente, mais voilà, des grosses cartes de ma collection vont partir. Donc, il n'y a pas, je dirais, de masterpiece. Donc, masterpiece, je dirais, des cartes à plus de 2000, 3000 euros. Il n'y a pas. Par contre, il y a beaucoup de belles cartes. Par exemple, ce Mewtwo Gold Star, tu vois, qui est beaucoup demandé, beaucoup recherché. Il est, par exemple, en enchère. Tu vois que là, il est déjà à 110 euros. Et puis, bah, les gens commencent déjà à se battre. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes qui ont même pas forcément énormément d'enchères. Tu vois, là, par exemple, on a un petit Dracaufeu, etc., qui est ici. Dracaufeu en 10, hein, qui a beaucoup fait parler. Celui-ci, alors là, c'est en japonais, bien évidemment. Vous savez que moi, je préfère le japonais qu'au français, mais voilà, il y a énormément de cartes qui sont proposées en enchère. Et donc, du coup, n'hésitez pas à aller checker si des cartes peuvent vous intéresser. Tu vois, il y a des bons coups à faire. Par exemple, ici, tu regardes, hein, une Lono ici en PSA 8 qui est à 12 balles. Tu vois, typiquement, il y a beaucoup, beaucoup de belles affaires à faire. Surtout que vous voyez que ça se termine dans 5 jours. Donc, dans 5 jours, ça veut dire quoi? Que ça va se terminer samedi. Oui, c'est ça, hein, mardi, mercredi, jeudi, voilà, ça se termine samedi soir. Et il faut savoir une chose avec ces enchères-là, c'est pas comme les enchères où vous avez l'habitude, où quand vous allez au dernier moment mettre un petit peu plus, ça va remettre un petit peu de chrono à la carte. Quand le chrono de la carte est terminé, la carte, enfin l'enchère est terminée. Donc prévoyez en avance. Par exemple, tu vois celle-ci, une petite dresseur PSA 8 édition 1 de Léo, tu vois, c'est édition 1 set de base ici. Il n'y a pas d'enchère encore dessus, tu vois. Donc c'est normal, parce que les gens viennent souvent à la fin. Mais vous pouvez déjà préparer. Ici, on a un Reptincelle, tu vois, un Reptincelle starter. C'est sympathique, édition 2 ici, en PSA 8. Donc voilà, enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Je vous laisserai aller voir le bloc. Après, si je dois retenir un petit peu les bangers, on a le petit Pikachu ici, qui est en édition 1 PSA 10 du set de base. Donc ça, c'est assez, assez sexy. Il y a énormément de cartes du set de base qui sont disponibles pour votre collection personnelle. Et en gros, voilà, tout se termine samedi. Donc n'hésitez pas à aller checker un petit peu tout ce qu'il y a. Voilà, là, on arrive aussi sur une page très sympa, avec ce magnifique Dracaufeu VMAX en rainbow. On a aussi le magnifique Pikachu, que j'ai packé dans un coffret dernièrement, que j'ai envoyé à grader, qui est revenu en 10 et qui part du coup en vente. Et alors pour moi, un des plus beaux bangers, c'est celui-ci, le Rayquaza V Alternate en 10, surtout chez PCA, où on sait que c'est assez compliqué en français. Voilà, je pense que c'est peut-être une des plus belles de la vente, tu vois. Quand un enchère se termine, le vendeur a le choix? Non, l'enchère se termine, c'est fini. En gros, admettons, je te dis une bêtise, admettons que là, tu vois, il y a des cartes qui n'ont pas d'enchère, quoi. Admettons, il y a des cartes qui n'ont pas encore démarré. Admettons qu'une carte, eh ben, elle se vend 12 balles, ben voilà, elle se vend 12 balles, et voilà, c'est comme ça, tu vois. Donc on joue le jeu. Il y a des cartes qui vont partir moins chères que ce qu'elles sont vraiment, et des cartes qui vont partir plus chères. Donc voilà, mais c'est pour ça aussi que je vous fais une petite présentation pour vous dire que voilà, ce bloc là est disponible. Donc n'hésitez pas à vous créer un compte si vous voulez participer aux enchères. Qu'est-ce qui va se passer ensuite quand vous avez éventuellement gagné une carte? Elles vont apparaître ici dans votre compte profil Volt, comme vous pouvez le constater. Dans mon Volt, là c'est mes cartes disponibles. Là c'est les cartes qui me restent dans mon Volt, tu vois. Ça c'est des cartes qui sont encore disponibles que je peux mettre à la vente. Et donc si vous gagnez une de mes cartes, elles seront dans votre Volt ici, et vous pourrez après ensuite en faire ce que vous voulez. Vous pourrez soit la mettre en vente si vous avez envie de la revendre, soit vous pouvez la demander de la récupérer, vous payez l'envoi pour récupérer votre carte, tu vois. Donc franchement, bah c'est super solide, tu vois. Moi il me reste encore quelques petites cartes que je garde, que je vends pas. Vous savez que mes psychoquois, que je les vends pas. Vous savez que bah il y a quelques cartes aussi que j'ai la peine à me séparer, donc pour l'instant je ne les touche pas. Le Star Wars, là, c'est quelques achats que j'ai fait parce que je trouvais ces cartes jolies. Donc voilà, chose importante à savoir sur le fonctionnement, je vais quand même vous réexpliquer une fois, parce que il y a beaucoup de gens qui ont été déçus lors de la première enchère, qui ont pas pu enchérir, qui se sont pris un peu au dernier moment. Je vous montre. Là typiquement, cette TB là m'intéresse, TB 5
Paradox à 38€, je peux mettre une flash bid, donc c'est une enchère flash, 2€ de plus, et ça va passer à 40. Donc je peux le faire, ok, je confirme tout ça, donc voilà, placer mon enchère, 40€, etc. Je confirme, placement de l'enchère, boum, voilà, et je suis en enchère gagnante, d'accord? Parce que personne avait pré-shot de mettre plus cher que ça, d'accord? Donc là, je suis en enchère gagnante. Par contre, si quelqu'un met 42, eh ben, hop, je suis mort. J'ai pas une enchère automatique. Ce que tu peux faire aussi, éventuellement, voilà, là c'est très intéressant. Elle a 36€ le TBFi Paradox. Je peux non pas faire la flash bid, mais enchérir. À ce moment-là, j'ai la liste des prix que je peux mettre. Et je veux dire, voilà, moi, je veux pas mettre plus de 42 balles. Je mets confirmer. Je confirme mon enchère. Et donc, regardez ce qui va se passer. Hop, et ben regardez. J'ai mis 42. Au final, elle est déjà à 44 parce que quelqu'un a fait comme moi et avait mis peut-être plus. Donc, tu peux mettre un prix maximum à ne pas dépasser. Regarde là, 34 balles ici, je vais essayer de mettre un petit peu plus cher. Voilà, je vais pas la mettre à plus de 46. Hop, 34, moi je la mets à 46. Mais si je la gagne, ça va la passer. Voilà, là je suis à 36, tu vois. C'est moi qui la gagne à 36, mais automatiquement, si quelqu'un met 38, moi ça va mettre 40. Si quelqu'un met 42, moi ça va mettre 44, etc., etc. Comme ça, tu mets ton prix maximum auquel tu veux payer. Et puis bah si tu l'as pas, tu l'as pas. Et c'est ça que vous pouvez faire aussi éventuellement avec justement mon show. Vous pouvez aller vous balader ce soir, par exemple, pour aller faire vos enchères. Vous ne devez pas payer tout de suite, vous payez seulement si vous gagnez les enchères. Vous avez une semaine pour payer aussi, donc voilà, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Et du coup, tu peux dire, bah voilà, je sais pas, tu te balades, hop, une carte au hasard, voilà, celle-ci, bah tiens, PSA 10, Dialga Alternate, vas-y, moi j'ai envie de mettre 86€ maximum, donc tu mets déjà tes enchères maximum. Comme ça, tu vois, t'es pas obligé d'être à l'affût tout le temps, etc. Et au moins, t'es préparé et t'arrives pas au dernier moment. Parce que sur la fin, vu qu'il y a du trafic et il y a du monde qui vient voir ce qui se passe, ça peut être compliqué si quelqu'un met en même temps l'enchère que toi. Chez toi, ça peut bugger, etc. Donc n'hésitez pas à le faire en avance sur toutes les cartes qui peuvent vous intéresser. Parce que d'une part, bah vous, au moins, vous avez participé et mis vos enchères, vous serez pas déçus. Et d'autre part, et bah moi aussi, c'est une sécurité que les gens le fassent. Vous savez, la dernière fois, ce qui s'est passé avec des grosses cartes que j'ai eues, c'est que les gens ont tout voulu faire à la fin. Et donc, du coup, ça a full bugué et ça n'a pas marché. Donc, sur la fin, c'est chaud, je pense. Moi, en tout cas, je mets toujours mes enchères maximales très très tôt. Et puis, comme ça, ben voilà, si je l'ai tant mieux, si je l'ai pas tant pis quoi, tu vois, je me prends pas la tête. Ça me permet d'étudier un peu le marché, de dire voilà, bon bah cette carte là, pour moi elle mérite ça, je mets ça, puis si jamais je l'ai, tant mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, le show se termine samedi, donc voilà, toute la semaine on va en parler un petit peu, voir un petit peu les évolutions éventuellement, et n'hésitez pas ben à checker tout ça, parce que ben clairement, il y a beaucoup aussi d'autres shows où vous pouvez faire des bonnes affaires, hein. T'as vu le prix des ETB, des trucs, des machins, des fois tu peux te... Moi j'ai acheté des displays déjà là-bas, des displays à 140 balles, 140 balles la display, bon bah tu prends, hein, vraiment, c'est gratuit, hein. C'est limite moins de 4 balles de booster, donc ouais, tu prends, tu vois. Donc franchement, n'hésitez pas à rester à l'affût parce que je pense que ça vaut la peine. Puis bon, on verra, on fera peut-être un petit résumé des ventes la semaine prochaine. Les comptes sont gratuits, tu crées ton compte gratuitement, tu peux envoyer tes cartes à stocker là-bas gratuitement. La seule chose où tu vas payer, c'est sur les ventes, tu vas payer un pourcentage des ventes, ce qui est logique comme toute, plateforme en fait, hein, où tu vends sur une plateforme, il y a un pourcentage qui est pris. Et tu payes aussi pour récupérer tes cartes, pour qu'ils te fassent l'envoi des cartes. En fait, tu payes l'envoi des cartes, hein, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à les checker. Il y a plein de shows vraiment super intéressants, des gros shows et des belles cartes qui passent. Enfin, là, et des Dracofeu là, bah, je crois qu'ils sont terminés. Il y a eu deux Dracofeu du set de base édition 1 en français là qui était parti. Tu peux déjà suivre aussi, tu vois, les choses qui ont les enchères les plus hautes et le plus d'enchères, tu vois. Bah, je crois que le plus d'enchères, c'est peut-être le mien celui-ci. Bah, c'est le mien celui-là. Je crois. Tu vois, celui-ci a plein beaucoup. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont dessus, tu vois. Mais en tout cas, n'hésitez pas à les checker. Pokéquack, le show, bien évidemment. J'espère que vous allez récupérer mes cartes parce que j'apprécie quand elles vont chez les gens qui sont de la commu, quoi, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est une petite, voilà, samedi, énorme show qui se termine, les potes.